Hey hey, salut tout le monde, c'est Mentali, c'est aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de nos aventures sur Pokémon Ruby Omega. Donc j'espère que vous allez bien, moi je pète le feu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une aura capture, bah c'est très gentil à toi Grégoriax. Alors bah pas de bol par contre, elle va pas être très utile, qu'est-ce qu'il y a encore? Une aura récupérée, c'est très gentil à toi, merci Grégoriax. Avant de commencer, donc je vais vous expliquer deux trois petites choses. Déjà, j'ai fait du off, hein, évidemment. Enfin, du off, pas tout à fait, étant donné que, voilà, maintenant je vais pouvoir le dire. Maintenant, entre chaque épisode, par exemple, si l'épisode sort à midi, hein, donc le soir, aux alentours de 15 ou 16, enfin l'après-midi, aux alentours de 15 ou 16 heures, je ne sais pas encore défini, je ferai des lives, tout simplement, donc des lives dans lesquels je capturerai les Pokémon dont je vous avais parlé. Vous savez que moi, bon, mon trip, c'est de capturer tous les Pokémon d'une route. Voilà, je suis comme ça, peut-être les entraîner, les faire évoluer, remplir les Pokédex. Et donc il faut savoir que maintenant, en fait, sur cette route, j'ai capturé tous les Pokémon, voilà. Et justement, il y a une option un peu cheatée, j'y avais pas pensé. Vous savez, Tarsal, il est rare. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a un Tarsal juste là. Donc Tarsal rare, que dalle, hein. Vous en croisez un, ça y est, c'est fini, hein. Les capacités encore, non. Voilà, donc ce qui s'est passé donc c'est que maintenant j'ai une équipe bonne. Je vais dire pas trop dégueu mais non, elle est bonne, voilà, c'est un peu mieux. Donc nous avons un Tarsal, sauf que ce n'est pas n'importe quel Tarsal. Déjà il s'appelle Kaito, hein, voilà, parce qu'il était capturé en live et que Kaito était là. Donc il a attaque Synchropen. Alors qu'est-ce que Synchropen? La cause ne sait pas cette attaque. Des ondes mystérieuses blessent tous les Pokémon alentours qui sont du même type que le lanceur. Ça a 120 de puissance et c'est psy. Alors 120 de puissance déjà, c'est pas négligeable. Oui c'est bon. Donc c'est pas négligeable, mais ça touche aussi les Pokémon de type fée. Je trouve que c'est une attaque bien craquée, hein. Ça fait bien mal, quoi. Donc voilà, après, voilà, on s'en fout. Ensuite, nous avons capturé, donc, une hirondelle. Et ensuite, eux, je les ai juste fait level up, level 9. Voilà, vous les connaissiez. Voilà, donc les lives, c'est fait. Alors, autre chose donc, que j'ai remarqué, c'est que, regardez, en fait, l'écran du bas, enfin, donc l'écran en bas à droite pour vous, oui c'est bon. Vous voyez qu'en fait c'est des captures d'écran du jeu Game Boy Advance en fait qu'on a actuellement. Là c'était une partie de Clémentiville d'avant en fait. Vous voyez ça correspond à là, regardez. C'est exactement là où je suis. Vous voyez? Cette partie là. Enfin je trouve ça très rigolo. Donc ici je me suis permis d'avancer donc pour capturer un hirondelle, voilà. Et donc là on continue l'aventure principale. Alors toi je sais que tu... Oh des couettes. Attendez. Allez, viens là mon grand. J'adore laisser des traces de pas sur le sable. Oh Raymond. Oh là 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 là. Il a le même nom que mon concierge quoi. Il s'appelle Raymond. T'as pas été gâté toi. Bref, bah écoutez, c'est le moment de vous montrer la puissance de ce Tarsal. Qui est ultra balèze parce qu'il a choc. Ah merde, patience. T'as intérêt à le double shot hein. Oui, si, la différence de level fait que voilà, fait que largement quoi. Allez, meurs. Et c'est là que l'attaque rate, et on rigole. Allez, zou, donc ça c'est fait. Donc sachez que en live, ce que je fais, c'est tout simplement de découvrir plus les zones. Hein. En let's play, j'avance, mais en gros, je parle avec les. En live, je parle avec les PNJ, je capture les Pokémon. Je déconne un peu. Puis en même temps, si vous voulez que les Pokémon que je capture aient vos pseudos, bah c'est le meilleur moyen quoi. Enfin voilà. Pic pic, oh mon dieu. C'était ouf. Oh, c'était un coup critique ça, mais putain, c'était nul. Allez, meurs. Donc je sais, Tarsal n'est pas un Pokémon échangé, donc il a pas beaucoup de pecs. Hein, par rapport aux 69. C'est dégueulasse. Allez, on continue. Capture une voix. Ah ouais, bah c'est fini hein. Qui es-tu? Ouais, monsieur Marco, j'en souviens de lui. Toi, tu veux pas te battre? Ah, commencer au fond de la mer. Bah écoute, t'as qu'à plonger, mon grand. Toi, tu n'es pas un dresseur, j'en souviens. Oui? On a une. Après la jauge de. Quand on s'appelle de cacher là dans Pokémon Y, là, XY, là, de richesse en fait, de classe. On a une jauge de gentillesse maintenant. Ça a l'air sympa, tiens. Moi bon, je dis ça, j'en sais rien pour le moment, mais.
Ah, par contre, je le répète hein, dans cet épisode, je ne veux pas de spoil, les amis. Bah, je vais pas m'affronter. Ouais, ça j'ai remarqué. Ah, toi t'es à Zigzaton. M'en souviens parce que avant je te farmais, mais. Voilà quoi, je te farmais. Et au bout d'un moment, il a Lignon level 28. C'est trop un malade ce type quoi. Level 28 quoi. Il peut pas monter au-dessus par contre, hein, cherchez pas. Ouais, choc mental. Donc j'essaierai de pas abuser de reflet hein, qui est une attaque complètement abusive. On va switcher. Hein. Et c'est là que. Poursuite. Ouais d'accord, ok, en plus qu'on critique. Alors, en avant Almin. Mon dieu, tellement de dommages, pardon. Pic pic. Alors je capturerai pas tous mes Pokémon grâce au Navidex, mais la plupart quand même. Hein. Parce que grâce au Navidex on a juste des attaques. Enfin synchropène quoi, sérieux. Il paraît qu'on a aussi plus de chances de trouver des shiny. Mais bon, moi, mon amour pour le shiny, mis à part Tarsal shiny et Salamèche shiny, enfin, voilà quoi. Allez, meurs! Ouais, vas-y, fais un critique en. Ah, tu t'as pas fait de critique. Mais c'est pas grave, Almin va mourir, c'est pas. Rugissement, bah ça va, tu mourras. Bon, on a une aura capture, donc on va essayer d'en profiter parce qu'il y a un Pokémon que j'aimerais bien capturer. Ouais, mais le problème c'est que les chances tombaient dessus quoi. Non, laisse tomber en fait. Ah, j'ai remarqué aussi qu'on pouvait voir. Enfin, je pense que c'est les EV en fait qu'on peut voir sur les Pokémon via le Navidex en fait. Il y a un truc écrit potentiel inné. Donc je pense, je présume que c'est évidemment les individual value. Ah, ça c'était un piaf. Un hirondelle. Pico! Non, toi c'est Goélise, hein, pas Pico. Mais c'est pas grave. C'est, vous voyez, le Pokémon il a tellement pété un câble. Putain, vous imaginez si mon hirondelle dit Almin! Putain, il aura l'air fin quoi. Allez, où? T'es qui toi? Ah oui. Il est faible face aux attaques électriques. Eh, plus pour très longtemps. Plus que 7 niveaux et les Pokémon électriques comprendront leur douleur. Pou, pou, pou. Allez, on continue. Alors, faut savoir aussi donc que j'ai fait quelques échanges miracles. Enfin, j'en ai fait 2. J'ai vu les Pokémon sur lesquels je tombais. J'ai arrêté. Et j'ai supprimé les Pokémon simplement parce qu'en fait, ça va juste niquer mon Pokédex en fait. Mais juste complètement. Donc je pense que je vais. J'ai pas reconnu. C'est pas Goélise. Ah oui. C'était une BP Shop. Vous voyez potentiel inné là, sur la droite. Juste en dessous de son type. C'est rigolo hein. Ben, voilà. Allez. Oui, il doit rester 2 secondes de. Non, ça c'est un Zigzaton, on s'en fout. Allez, s'il vous plaît. Please, il me faudrait le Balignan, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a des Balignans ici et j'aimerais bien remplacer Arco. Bon, bon bah tant pis, lâche une botte. Fuis. Où on le tue en fait, ça fait quand même du Bex. Et là il me sort une attaque insecte, non, c'est bon. Allez-y, ça c'est fait. Yeah, level 9, félicitations Kaito. Tu deviens plus puissant, tu apprends téléport. Bah c'est cool, maintenant on pourrait aller au centre Pokémon plus facilement. Allez, donc, hop. Et on passe Almin en première, voilà. J'ai attrapé tout un tas de Pokémon, allez, allez, en avant mes Pokémon insectes. Bon bah écoutez, on a bien fait de changer hein. Un bon petit scout. Julion. Ils se sont lâchés pour les noms là. Julion. Où est-ce qu'ils ont pêché des noms pareils quoi? Les anciens noms, ils étaient pas cool. Allez bon bah. One shot. Un shiny pot. Incroyable. Comment dire? Je sais
One shot. Voilà. Alors voyons, qu'est-ce qui va arriver juste après? Un chenipot? Bon bah... One shot. Voilà, ça c'est fait. Et level 10, nickel. Voilà, ça c'est fait. Et on a battu Julien le Scout. J'ai même pas gagné. Bah ouais, j'avoue, 3 Pokémon défoncés par un seul bon en même temps. Alors. Ils sont déjà tous triés par PV, hein, c'est pour ça que... Antipara, nickel. Nickel. Juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner Tarsal, enfin Kaito. Ah oui, alors j'ai récupéré donc les Pokéballs du Pokélien aussi, hein, voilà. Des soignants en fait, je sais pas, je sais pas. Je suis un peu bourré. Hein, voilà. Ah. Un chenipote. Incroyable. Non, c'est pas avec ton solution, je voulais faire ça. Ça fait un drôle de bruit. Ah, un Armulis. Bon écoute, on va le capturer. Pour le Dex. Armure. Il va nous tuer. Allez, sac Pokéball. Non, oui, vraiment, je préfère réellement capturer avec des Pokéballs qu'avec d'autres types de balls. C'est plus joli. Enfin, c'est surtout moins moche, en fait. Bicolore, c'est pile ce qu'il faut. En sachant que pour moi, ce qui c'est pas la ball, bah. Bref. Puis soit bleu et rouge, c'est moche, soit bah, noir et jaune encore, ouais, ça passe. Là, c'est juste rouge, c'est nickel. Moi, j'aime bien. Grosse propriété, ce Pokémon il reste tranquillement en attendant son évolution. Regarde l'extérieur à travers deux petits trous dans son cocon de soie. Enfin, deux petits trous, putain. Oui, alors, une fois, non. Ah, oui, je sais. Alors, quelqu'un qui m'a demandé d'avoir un Pokémon pas trop pourri. Hop. J'ai juste envie de t'embêter. Voilà, pas ça. Après tout, c'est grâce à toi si j'ai réussi à capturer ce Pokémon. Hein, grâce à ton aura, donc merci à toi Grégoriex. Voilà. La boîte 7. Ah bah tiens, c'est la boîte des Pokémon interdits. Parce que TGF m'a filé un Pokémon qu'apparemment on peut pas avoir sur cette version. Balignon. Bah non, j'en cherche un. Moi aussi j'aime. Putain, tu marches comme si t'avais un balai dans le cul, mon gars. Ouh, t'as l'air pas l'air content en plus. J'aime bien la musique. Oh non, non. Le coup de la pause ridicule, vous auriez pu oublier, les mecs. Mediena. Mon pire cauchemar. Non, je déconne. Une aura capture. Ah bah ouais, tu vois ce que tu as dû mériter ton... ton blanalki. bref, on en voit. Vas-y, Arco. C'est l'une des dernières. C'est le dernier épisode où on te voit. Vas-y, fonce. Montre-nous que t'es un beau gosse. Nope. Hé, tout était calculé. Maintenant, nous allons te sucer à mort. J'aime beaucoup le thème de la Team Magma, hein, par contre. La musique est sympa. Oh, j'ai hâte d'affronter Max. Enfin, si c'est pour lui, au chef. Je cherche pas, c'est un peu tard là pour lancer grondement, en fait. Je t'explique. Regarde. Allez hop,
Tu n'existes plus, tu n'es plus qu'un mauvais souvenir. Et voilà. Ah, tu payes bien au niveau PEX par contre. Hein. Si Tarcel pouvait avoir la même, ça m'arrangerait. Bon, presque. 80 de moins quoi. Sur 180. Ouais. T'as eu le coup de t'opposer à Team Magma. Ah, vous avez quelque chose à faire à Merouville. Je m'inquiète parce que je crois que c'est ma prochaine destination. Voilà, file-moi ton underball. Hein? Normalement, il nous file une underball. Il faut une connerie de ball à la con. En fait, lui, c'est un grand fan de nous filer des balls à la con. Et là, il nous file le multi-exp, l'item le plus craqué de Pokémon XY. J'espère qu'il en nerf. Et il nous soigne en plus. Ok. Ah ah. Bon, alors déjà, on va switcher. On va foutre. Voilà, comme ça. Hop, bon bah écoutez, bon on va l'activer. Hein, parce que... Bah écoutez, si on peut cheater dès le départ, on va cheater, hein, voilà. Quoi s'embêter. Alors vas-y, un petit balignon s'il te plaît, sois sympa quoi. Caca. Et que de boules, que de boules. Que de boules. Sans blague. Allez, Zou. Je crois que c'est un chenipote. Ouais, ça chenille vote. Oh, avec d'excellents IV. Sympa. Allez, un balignon, un balignon, un balignon. Un zigzaton, un zigzaton. Meurs. Meurs, engeance de démon. Voilà. C'est tout de suite populaire. Bah oui, bien sûr. Alors, un Nangal, évidemment. Un Pokémon insecte sol. Extrêmement intimidant. On ne peut rien faire contre un Nangal. Voilà, à ce niveau du jeu, voilà. Beaucoup trop puissant pour nous. Je dis ça, mais si on tombait sur Ninja à ce niveau du jeu, ce serait une catastrophe, quoi. Ah ouais. Ah, t'as quand même une bonne défense, hein. Forcément, là, j'attaque en premier. J'aurais préféré attaquer en premier tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça m'aurait très certainement épargné une attaque, donc un PP. C'est vrai, maintenant qu'on sort de l'XP pour tout le monde. Allez, c'est parti pour l'abus. Une huile, cool. Ouais, c'est vrai. Allez, zouf. Donc là, on va aller acheter le... Enfin, chercher le Souwelmer. Qu'est-ce que... T'es qui toi madame? Bah écoutez, je vais juste récupérer. Quoique non, je récupérerai ça en live, hein, écoutez. Donc aujourd'hui à 15h. Bon, regardez mon Twitter, de toute façon je vous tiendrai au jus. Ah toi, toi, toi aussi t'as un zigzaton. Elle est sympa, elle a un zigzaton et surtout elle donne beaucoup de fric quand elle se fait battre. Voilà. Tête de fer.
Voilà, c'est bon. Voilà. Bah écoute, on va refaire la même. Oh, attention. Ouais, tu m'as quand même enlevé 3 PV. Il est balèze ce Zigzaton. Bah tiens, level 10, sans blague. Yeah, poussif level 10. Yeah, j'ai de ça. Oh, trop bien comme attaque. Ouais, on est dans level 10. Ok, vu déjà level 11. Il y en a un. Il y en a un ici qui va se faire virer, donc il essaie de gagner des levels. Genre, non, je vais évoluer avant de partir. Non. Elisa la fillette est envoyée à Nelupio. J'aurais dû switcher. Bon, c'est pas grave. J'aime bien jouer avec Terra, les craquer, c'est rigolo. Les musiques sont vraiment géniales. Hein. Ça, vraiment. Je continue à le dire parce que je les adore. Donc, ouais, c'est vrai que tout à l'heure, le thème qu'on a entendu là pour le mec qui parlait là. Bah, en fait, c'est un thème que j'avais jamais entendu. Donc, c'est un thème inédit. Bah, Lignon, espèce de salaud. Ah oui, et on va voir le premier combat 2 contre 2. Le premier combat 2 contre 2 qui n'y ait jamais existé. C'était celui qui va arriver juste après. Je préfère attendre que Terral se réveille. Ouais, voilà, entre autres parce qu'il se prend pas de dégâts en fait. Voilà. Et voilà. Alors voyons ça. Ouais bah écoutez, Orion et Poussifeu, c'est un bon duo tiens. Ta musique est magnifique. on pouvait skipper ce combat avant. Nous sommes jumelles, nous faisons tout pareil, même les combats de Pokémon. C'est parti, affronte nos Pokémon. Ah ça va être des Pokémon ultra badass hein. Elles tiennent les poupées Pikachu. Elles sont nulles. Elles n'ont plus. Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Alors, toi, tu vas faire charge sur lui. Pendant que toi, tu vas cramer celui-là. Brûle! Ah bah, coup critique, ça aide, hein. Voilà. Ouais bon. Ça y est, on peut plus arrêter Arco. Il est parti là. Aïe aïe aïe. Oh le bâtard. Quoi, c'est tout ce que tu récupères? Et Poussifeu évidemment, qui a de turbo hein, donc qui augmente sa vitesse. Allez meurs. Meurs, j'ai dit. Bonk. Que de boules, que de boules. Ah mon dieu. Putain. Mais par contre, les Pokéstarters là, ils vont prendre trop d'avance, je le sens. Alors, vous avez perdu à vous étiez ensemble, c'est pas de bol. Quoi, tu vas me filer un truc. Ouais, ça je m'en souviens. Bémarron qui permet de réveiller les Pokémon. Ouais, alors lui c'est un grand expert de Pokémon. Oh, que personne n'a jamais entendu. Dont personne n'a jamais entendu parler, pardon. Il s'appelle Stéphane. Et allez, Orion en avant. Bah, défoncez tous, hein. Coup de boue. OMG, il a fait trempette. Ah, oh, sympa l'animation. Mm-hmm.
Il y a du haut level là. Attends, je vais peut-être vérifier un truc. Mais ça, c'est bien 40 de puissance. Ah, c'est qu'à 20. Ah, d'accord. Bon, moi, c'est pas mes charges. Yeah. Puis la Magikarp, nous sommes perdus. Ah là là. Bon. Ça c'est fait. Encore un Magikarp, mais mon dieu. Allez. Orion, tu as le level up et tu veux apprendre clairvoyance. En tous les cas, rugissement ne sera rien, donc voilà. Yeah. Et donc nous voici arrivés à Merouville. Oh tiens, Brice, Denis. Wow. Ouais. Allez, bonne route. Merci à toi, Brice. Alors, on m'a dit aussi qu'il fallait que je lise les panneaux. Oui. Ok, c'est très intéressant. Hop là, donc je sais pas pourquoi il fallait que je lise les panneaux, mais... Allez, donc les amis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Et donc, on fera ça en live, pour le reste. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Voilà, comme ça on sera soigné en plus.